Mohsen Rahmat. C'est toi, professeur Arash Bayazid, bonjour. Je suis désolé, je vous ai fait peur, mais je viens là tous les jours, je vous ai jamais vu. Vous étiez parti pour un colloque ? Tu rigoles, plus personne ne quitte ce pays, c'est fini. Je viens très peu ici, trop de tristesse. Mais je récupère des papiers et des livres. J'enseigne encore. À l'école coranique ? Oui. Entre autres. J'aimerais t'enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. L'histoire est tronquée, menteuse, je veux pas retourner la tête de jeunes enfants. Chut, Mohsen ! Mais tu sais qu'il y a une autre école. Ah bon ? Une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la fraie. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. Tu es payé par l'école coranique, mais tu donnes ton cœur à l'école de la vie. Je sais pas, Avec Zuneira, on voudrait quitter le pays. Parle-lui à elle aussi qu'elle puisse venir dans cette école. Je comprends votre désir de liberté, mais est-ce qu'il ne faut pas rester et se battre de l'intérieur pour nos valeurs profondes, pour ce pays qui a tant souffert en sauvant ses enfants ? Elle peint encore ? Moi. Bien sûr.